La CARSAT est présente sur le Forum des seniors pour à la fois proposer une offre d'accompagnement, d'information des assurés qui évidemment se préoccupent de leurs droits avant leur passage à la retraite. Et on est également présent pour accompagner les retraités dans leur vie après le travail, notamment pour qu'ils restent le plus longtemps en bonne santé. Avec notre offre Bien vieillir en Bretagne et avec nos partenaires des autres régimes de retraite, de base ou complémentaire, nous proposons un accompagnement des conseils, aussi bien sur la santé, l'équilibre, la nutrition, le logement, pour bien vivre sa retraite et en profiter le plus longtemps possible. Alors, il y a plusieurs nouveautés cette année sur notre stand. Tout d'abord, on a souhaité être présent avec nos partenaires des régimes complémentaires du secteur privé, l'Agirc-Arrco, ce qui permet du coup à un assuré d'avoir une information de bout en bout, à la fois pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Donc ça, c'est la première nouveauté. Et puis la deuxième nouveauté, c'est qu'on propose aux assurés qui viennent nous voir de prendre rendez-vous avec nous pour les aider, une fois les premiers renseignements pris, à réaliser leur démarche en ligne dans quelques semaines. Alors en 2020, nous souhaitons continuer à informer au mieux les assurés bretons, tout d'abord sur l'importance de bien préparer sa retraite, c'est-à-dire au moins 2 ans avant, pouvoir commencer à se renseigner sur sa carrière, voir s'il y a des éléments manquants pour nous le signaler, qu'on puisse régulariser le dossier. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, quand on est au clair sur son âge de départ, au moins 6 mois avant, venir vers nous pour dire « ça y est, je dépose ma demande de retraite » et on vous accompagne à le faire, si possible, en ligne. Parce que quand vous le faites en ligne, vous faites une démarche, quand auparavant vous aviez à faire 3-4 rendez-vous avec vos différents régimes de retraite. Il y a plein de conseils à donner à des assurés qui veulent partir très prochainement à la retraite. Évidemment, il y a les conseils de type administratif, quand on est au niveau de la CARSAT, savoir bien préparer son dossier en amont. Mais c'est aussi déjà commencer à préparer plus largement son passage à une autre vie et en pensant aussi à comment l'occuper, à travers ses loisirs, à travers sa famille, comment finalement aussi rendre à la société un certain nombre de choses quand on est en passage à la vie après le travail. Donc beaucoup de conseils, bien y penser avant pour vraiment que ce moment qui est très important se passe au mieux.